Disney Junior présente les moments magiques de Docteur Lapeluche. Quand Rhonda, la sauveteuse, a besoin de réparer ses hélices, les jouets du doc doivent rester calmes et trouver une solution. Je ne peux pas voler avec une hélice cassée. C'est grave. Oh, mais nous devons emmener Rodéo à l'hôpital. Comment on va faire? Je n'en sais rien. J'appelle Doc. Ligne d'urgence de l'hôpital. Que puis-je faire pour vous? Cheval blessé, hélicoptère cassé, dragon au bord de la crise de nerfs, à l'aide. Merci de patienter. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est le cheval blessé. Écoutez, je ne comprends rien de ce que vous dites. Alors répétez et plus lentement cette fois. C'est le cheval de Je comprends rien du tout. Kaline, si tu me racontais ce qui s'est passé. Oh bon, d'accord. On a réussi à sortir Rodéo du puits, mais une de ses roues s'est détachée. Oh, on dirait qu'il s'agit d'une roue cassée à tose. Il faut noter ça dans le grand livre des bobos. Puis, une des hélices de Rhonda s'est cassée. Oh non, non, ça semble être un cas d'hélice plexi. Oh, c'est un vrai festival de bobos aujourd'hui. On peut arranger ça, écoutez attentivement. Vous allez devoir faire une attelle pour l'hélice de Rhonda afin qu'elle puisse vous ramener à l'hôpital. D'accord, 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 pas de problème, Doc. Allons fabriquer cette attelle. Pourquoi tu as raccroché? Ben, pour faire l'attelle. Et tu sais comment faire une attelle, toi? Non, et toi? Non. C'est Kaline. On ne sait pas comment faire une attelle. Vous ne m'en avez pas laissé le temps. Toufi a raccroché. Je sais, mais c'était un appel d'urgence. Et comme pour tout appel en cas d'urgence, il faut rester calme, écouter, suivre les consignes et le plus important, rester en ligne. Ça me permet de vous apporter mon aide. D'accord, Doc. On s'est calmé. Et on t'écoute. Et on est prêt à écouter tes consignes. Bien. Alors, il faut fabriquer une attelle pour l'hélice de Rhonda afin qu'elle puisse ramener Rodéo à l'hôpital. Ça me semble très bien. Tout d'abord, il faut trouver un long bout de bois. Je pense que vous pouvez en prendre un sur ma clôture. Oui. Génial. Maintenant, placez-le délicatement sur l'hélice de Rhonda. Oh, oui, entendu, Doc. Maintenant, trouvez un moyen de l'attacher à l'hélice. Moi, j'en ai un. Wouhou! Rhonda, comment te sens-tu? Mon hélice me fait encore un peu mal. Mais la paix devrait la maintenir en place jusqu'à notre arrivée. On se voit dès que tu arrives. Ouh, on a réussi. Doc! Je suis si fière de vous. En gardant leur calme et en suivant les instructions, les jouets de Docteur Lapeluche ont très rapidement permis à Rhonda de prendre son envol. En attendant un nouveau moment magique, retrouve Docteur Lapeluche sur Disney Junior.